jeune maîtresse. Elle vous aime. Et je crois qu'elle sera plus heureuse avec vous qu'avec celui que sa mère lui destine. Ça calme un peu mes scrupules. Nièce est élevée dans la plus sévère contrainte et qui, malgré son penchant pour vous, n'aura que des larmes, des regrets, de la frayeur à vous donner. Que la porte de la maison aboutit au jardin. Je veux pas enlever Angélique. Je veux que l'exciter à refuser l'époux qu'on lui destine. Sauvons-nous. Non, restez. C'est la mère d'Angélique. Elle vous ferait fuir. Vaut mieux que vous demeuriez. Mais ma fille, Lisette. Apparemment qu'elle est dans sa chambre, madame. Qui est ce garçon-là? Madame, c'est... C'est... un garçon de condition, comme vous voyez, qui m'est venu voir et... Et à qui je m'intéresse parce qu'on est fils de deux frères. Mais une fille retirée, qui vit sous les yeux de sa mère, et dont rien n'a gâté ni le cœur, ni l'esprit, ne laisse pas que d'être alarmée quand elle change d'état. À l'égard du mari que je lui donne, je ne doute pas qu'elle n'approuve mon choix. C'est un homme très riche, un peu vieux à la vérité, mais complaisant, mais doux, attentif. Donnez ! Donnez ! Thank you.